à tous, bonjour à toutes, ravie de vous retrouver pour cette seconde séance qui sera consacrée à la ceinture abdominale. Avant de commencer les exercices, il faut absolument, lorsque vous faites les mouvements, penser à contracter votre périnée. Pour cela, pensez à retenir l'envie tout simplement d'aller aux toilettes, voire de faire un pet. Voilà, on y va, c'est parti. Donc, premier exercice, tout simple, mes pieds en dessous de mes genoux, mes mains situées derrière la tête. On évite de croiser les doigts, d'accord? Les mains sont là en soutien, la nuque est bien allongée. Le périnée contracté avec mes hanches légèrement basculées vers mon nombril. Le bas du dos au sol, et là j'étire le tronc au-dessus du sol. Doucement, je m'étire, je ne cherche pas à enrouler, mais à étirer. Et puis à la fin de votre série, vous restez au-dessus du sol. Voilà, ça c'est pour le premier exercice. Le second exercice, vous placez vos mains dessous votre bassin, vous ramenez vos jambes sans les ramener complètement sur la poitrine, vous serrez les genoux et vous allez faire des extensions en avant. Poussez vos talons. Alors vous pouvez descendre plus ou moins bas. Bien sûr, attention à ne pas creuser votre dos et à la fin de votre série, vous pouvez rester en extension en faisant attention au dos dans le sol, au ventre rentré, au périnée contracté, puis vous ramenez. Vous posez, vous replacez vos mains derrière la tête, la nuque allongée. Vous allez fléchir, demi-fléchir une jambe, le genou dessus de la hanche, puis vous allez allonger le tronc au-dessus du sol. Allongez l'autre jambe plus ou moins basse, plus ou moins bas. Ramenez les bras le long du corps et vous allez exercer des petites pressions vers le sol avec le talon de la main. Donc on ne fait pas ça, mais vraiment il faut que vous ayez la sensation de repousser quelque chose. Puis vous replacez les mains derrière la tête, vous reposez le pied, le haut du corps et vous changez. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On va maintenir, placer nos pieds un petit peu plus écartés. Et là, on va alternativement aller chercher l'extérieur du genou pour travailler les obliques. On souffle à chaque fois que l'on remonte, toujours en pensant à rentrer le ventre et à contracter le périnée. Et on redescend. Ensuite, vous passez sur le côté, pardon, vous passez en appui sur les genoux. Sur les fesses, mettez vos mains de chaque côté de votre bassin et vous prenez appui, vous remontez sur une fesse, sur un pied en même temps. Voilà, vous essayez de projeter la tête vers le plafond. Vous pouvez également placer les mains derrière la tête et continuer le mouvement. Et enfin, une fois que vous avez fait votre série, vous posez vos mains, vous soulevez les pieds en fléchissant toujours légèrement les jambes, puis vous ramenez l'ensemble. Vous ramenez les genoux, la poitrine, l'un vers l'autre. Vous redescendez, vous relâchez un petit peu le tronc, la tête, et vous enchaînez la même chose de l'autre côté. Nous allons passer à présent face au sol. Un début de gainage, vous vous placez hors de votre tapis, les mains en dessous de vos épaules, vous allongez vos jambes, voyez, position de gainage. Hanche un petit peu basculée vers le nombril, périnée contractée. On va ramener alternativement le genou dessous soi. Puis, on va ramener le genou vers l'épaule opposée. Vous reposez, vous pouvez faire un temps d'arrêt, relâcher le dos. Vous déroulez et ensuite, vous enchaînez sur le gainage immobile, ici, main dessous mes épaules. Alors, soit je reste sur mes mains, soit je vais poser mes coudes en dessous de mes épaules. Je vais le faire sur le tapis, ce sera mieux pour protéger mes coudes. Voilà, c'est parti. Je pousse mes talons maximum en arrière. Je regarde toujours face au sol, le ventre rentré, périnée contracté. Puis je repose et j'enroule. Et vous déroulez. Les exercices de gainage, vous pouvez rester en position 15 secondes, 30 secondes et plus. En
fonction de vos possibilités. Enfin, nous allons nous mettre sur le côté. Celui-là, on a travaillé déjà sur la première séance, lors de la première séance. Je vais monter. J'aligne bien les cuisses et le tronc. Je regarde droit devant moi. Je maintiens soit ma main sur le sol, soit mon bras le long du corps, ou encore mon bras en extension vers le haut. Puis je relâche et j'enchaîne. La même chose de l'autre côté. Encore une fois, vous pouvez tenir 15 secondes, 30 secondes et au-delà en fonction de vos capacités. Puis nous allons terminer par quelques étirements. Donc, je relâche mon dos. Je ramène mes jambes au-dessus de moi. J'allonge la nuque. Et là, je vais balancer tout simplement mes cuisses sur la droite, sur la gauche. Puis je décroise mes pieds. Et je dessine de petits cercles dans un sens et dans l'autre sens. Vous reposez les pieds. Alors, on va essayer de faire cet exercice que peut-être tout le monde ne sera pas en capacité de faire. Mes pieds le plus proche de mes fesses. Je pousse mes hanches très très haut. Je prends appui sur le bord extérieur de mes épaules. Je regarde toujours droit devant moi et dans cette position. Je vais relâcher le ventre en inspirant et expirer en rentrant mon ventre. Je déroule. Je me retourne face au sol, toujours sur mon tapis. Un autre exercice pour étirer votre abdomen. On a les jambes légèrement écartées, les mains à hauteur des épaules. Et là, on va se soulever. Soulever le tronc. Maintenir les hanches dans le sol. Et avant tout, on va chercher le haut et l'avant. On relâche les épaules. Et en redescendant, on essaie toujours d'étirer le tronc le plus que l'on peut. Je ramène mes jambes l'une vers l'autre. Je repousse le sol avec mes mains. Et de nouveau, je viens enrouler le dos. Je relâche les coudes, je relâche ma tête. Je reste là quelques secondes, puis je déroule mon dos très lentement. Et nous avons terminé. Bravo à vous, bon courage à vous. N'oubliez pas de bien contracter le périnée dans vos efforts. Ça vous permettra de travailler plus efficacement sans vous blesser.